Pd extended, hein, donc pour les numériques en pure data, mais Pd extended parce que c'est pure data, simplement. Et alors, même chose que je fournis à l'ordinateur, des bibliothèques, mais c'est la même chose que pour les data, sauf que les data que vous allez les chercher sur Internet, c'est pas les vôtres. Tandis que si vous faites une version, il est logique que vous fournissiez vous-même, vous choisissiez vous-même les mots. Alors, pour les sons, c'est des sons que je recueille sur une base aussi sur Internet, mais j'ai choisi des sons très bizarres, c'est-à-dire des sons qui ont un sens, qui sont sémantiques, mais qui semblent abstraits, mais qui sont sémantiques. Par exemple, le son qui est descendu sur Titan, donc traverse le métal de Titan, et donc il y a des bruits très bizarres, et c'est ces points-là que j'ai mis en boucle. C'est-à-dire, l'idée, c'est que l'élargissement du langage, c'est-à-dire qu'on peut. Les mots, on a 1000 mots, 1000 mots, vous êtes entendus savamment, pas savamment, c'est très peu de choses. Voilà. Donc, les mots sont les choses pour dire la réalité, c'est très frustrant quelque part. Donc, l'idée d'élargissement du langage, c'est une image peut fonctionner comme un mot et un son mis en route peut fonctionner comme un mot. Et vrai, par exemple, comme j'évoquais un mot, pour identifier tout de suite le nom de l'autre. industrielle, c'est de donc c'est un travail récent, et donc le dernier travail, alors vous l'avez sur le petit exemple-là, c'est la plusieurs réalités en réalité virtuelle, de casque 3D. Alors, donc là, ce n'était pas possible de mettre à disposition du public, mais il y a un extrait, et vous avez un exemple sur l'écran plat, à la fin du début. Voilà. Sauf que ce que vous avez sur l'écran plat, c'est deux images. Sur l'ordinateur, vous avez deux images, et dans le casque 3D, vous avez évidemment une seule image en 3D. Voilà. Et ça, c'est le sens des minutes.